Patrick Schick est la révélation de l'Euro 2020. Le Tchèque est énorme pendant cette compétition. Il a été jusqu'à concurrencer Cristiano Ronaldo et Lukaku au soulier d'or. Alors on était obligé de parler de lui. Voici 9 choses que vous ne saviez pas sur Patrick Schick. Numéro 1, l'Écosse. Bon, cher Oh My Goalers, je suis obligé de commencer par ça. Patrick Schick a marqué ce qui pourrait être le but du tournoi face à l'Écosse. Et son deuxième but n'était pas qu'incroyable, il a battu un record. Parce qu'il a tiré de plus de 45 mètres. C'est le but le plus lointain marqué en Coupe du Monde ou à l'Euro depuis 1980. Il bat le record détenu par David Villa qui avait marqué de 42 mètres face au Chili en 2010. Mais en réalité, quelqu'un d'autre détient le record du but le plus lointain et c'est Carly Lloyd. En 2015, elle a marqué un but de 51 mètres face au Japon. Et en finale de Coupe du Monde, s'il vous plaît. Mais les deux buts de Schick contre l'Écosse lui ont permis de battre deux autres records. Il est devenu le premier Tchèque à marquer un doublé dans un tournoi majeur depuis Tomáš Rosický en 2006. Et il est le premier à le faire lors d'un Euro depuis Milan Baroš en 2004. Numéro 2, ses idoles. Ce grand et élégant gaucher a été comparé à beaucoup de légendes, comme Denis Bergkamp et Zlatan Ibrahimovic, rien que ça. Et même s'il est flatté, il n'est pas d'accord. Lui, il les voit tout simplement comme des idoles. Ibrahimovic est mon modèle depuis l'enfance, mais un autre joueur comme lui n'existe pas. Je pense que je peux encore m'améliorer. Enfant, il idolâtrait aussi la légende tchèque Milan Baroš. Mais il a grandi en étant fan de Manchester United, alors il était obsédé par certaines légendes du club. Il adorait vraiment David Beckham, accrochant les maillots et posters à son effigie au-dessus de son lit. Et lors de l'Euro 2004, il est tombé amoureux du style de jeu de Cristiano Ronaldo. Mais celui qui l'a le plus marqué, c'est Wayne Rooney. Patrick l'a vu jouer contre le Sparta Prague quand il avait 8 ans, et ça a changé sa vie. Rooney courait juste devant moi. Je me suis dit que c'était ce que je voulais faire, ne jamais avoir un travail normal et gagner ma vie comme lui le faisait. Numéro 3, mannequin. Patrick a eu un autre rêve, il voulait devenir mannequin. C'est vrai, il a même pensé à arrêter le foot pour devenir mannequin quand il jouait au Sparta Prague. On doit l'avouer, il est plutôt beau gosse. Mais bon, c'est pas forcément pour ça qu'il aurait réussi en tant que mannequin. Mais sachez que sa grande sœur, Christina, est elle déjà mannequin professionnelle. Elle a travaillé à Los Angeles, New York et Prague. Elle a même sa propre boutique de vêtements, Be Chic. On dirait que chez eux, être célèbre, c'est une affaire de famille. Numéro 4, la Juventus. Après une saison folle à la Sampdoria, Patrick Schick était sur tous les radars en Europe. Il était surveillé par Naples, Dortmund, Everton, West Brom et l'Inter Milan. Mais les trois clubs en tête pour le recruter étaient la Juventus, Arsenal et Tottenham. En fait, Patrick a été jusqu'à Turin pour passer sa visite médicale. Il a même posé avec leur maillot sur les réseaux sociaux du club. L'accord semblait total, mais tout a échoué à la dernière minute. Parce que les tests médicaux ont révélé des problèmes cardiaques non diagnostiqués auparavant. À la place, il a signé à la Roma et on peut dire qu'il n'a aucun regret. Numéro 5, le majeur. Patrick a toujours eu un avenir brillant devant lui et un père anxieux sur la touche. Il a passé ses jeunes années à l'académie du Sparta Prague. Mon père était à fond dans le jeu et quand je gâchais quelque chose, il mettait sa tête entre ses mains et remuait la tête. On connaît tous ce sentiment. Et pendant un tournoi, Patrick en a eu marre d'entendre les cris de son père. Je me suis tourné vers lui et je lui ai montré mon majeur. Ce moment a changé quelque chose dans mon esprit. J'ai réalisé, qui joue au foot ici, lui ou moi? Moi, certainement. Malgré tout ça, Patrick remercie son père de l'avoir initié au foot, parce qu'il l'emmenait au match le dimanche et le laissait s'échauffer avec ses copains. Numéro 6, la famille. N'ayons pas peur de le dire, 2020 a été terrible. Mais pour Patrick Schick, il y a eu beaucoup de positifs malgré la pandémie. Depuis plus de 6 ans, il sort avec Anna, son amour de jeunesse. Et en juillet 2020, ils se sont finalement mariés. En septembre, il a signé au Bayer Leverkusen pour plus de 25 millions d'euros. Et un mois plus tard, Anna et lui ont accueilli leur premier enfant. Ils ont eu une fille, Victoria. Et maintenant que tout revient peu à peu à la normale, c'est l'heure de faire la fête. Ce n'est facile pour personne avec la pandémie, mais je suis incroyablement heureux en ce qui concerne ma famille. Je suis reconnaissant de ce qui est arrivé ces derniers mois, mais surtout parce que tout le monde est en bonne santé. Numéro 7, les langues. Il est né à Prague, il a passé du temps dans toute l'Europe. Patrick Schick est un voyageur. Bien sûr, il parle tchèque, sa langue maternelle.
mais à l'école, il a eu l'opportunité d'apprendre l'allemand et le français. J'ai décidé de ne pas faire de français parce que j'avais beaucoup plus de chances d'utiliser l'allemand un jour. Une décision qui a joué en sa faveur car il joue en Bundesliga depuis 2019. Mais le tchèque et l'allemand ne sont pas les seules langues qu'il parle. Je peux aussi communiquer avec des joueurs hispanophones dans une sorte de mix avec mon italien. Je parle aussi anglais et je comprends presque tout en allemand. Alors tchèque, allemand, anglais, espagnol et italien. Vous avez une idée d'où il pourrait aller par la suite ? Numéro 8, United. En fait, oui. Après son match de fou contre l'Écosse, Patrick a fait un énorme aveu. Quand j'ai quitté la République tchèque, mon rêve était de jouer en Italie et j'y suis arrivé. Maintenant, je me sens très attiré par l'Angleterre. Plus tôt, on a parlé de West Brom et d'Everton. Il a aussi été courtisé par Crystal Palace. Mais comme c'est un fan de Manchester United, on n'imagine qu'une seule destination pour lui en Premier League. Après avoir signé à la Roma en 2017, il a rapidement évoqué un potentiel départ à United. J'espère que dans quelques années, je pourrai aller dans un club encore plus grand. Ce n'est pas vraiment possible d'aller encore plus haut que la Roma, mais il y a quelques clubs, disons le Real Madrid, Barcelone ou Manchester United. Il a joué chez lui, en Allemagne et en Italie. Alors, où va-t-il aller ensuite ? Numéro 9, Leipzig. En 2019, Patrick a été prêté à Leipzig par la Roma, mais le club allemand était loin d'être le seul prétendant à sa signature. Marseille, Monaco et Lyon voulaient tous le faire venir en France. Mais bon, peut-être qu'il a refusé parce qu'il ne parlait pas la langue. Hein. Schalke et Valence étaient deux autres des nombreux clubs qui voulaient le joueur. Mais Leipzig était le seul pour qui il voulait jouer. J'ai senti que Leipzig me voulait plus que les autres. J'étais aussi très attiré par le style de jeu du coach Julian Nagelsmann. Je suis sûr d'avoir fait le bon choix. En 28 matchs avec le club allemand, il a marqué 10 buts et donné 3 passes décisives. Tout ça lui a valu un transfert à Leverkusen, avec qui il a marqué 9 buts la saison dernière. Et à l'Euro 2020, il a clairement été l'un des meilleurs joueurs. Donc oui, je pense qu'il a fait le bon choix. Et voilà, chers Oh My Goalers, voilà 9 choses que vous ne saviez pas sur Patrick Schick. Vous pensez qu'il va signer dans un très gros club après l'Euro ? Et quelle est la 10e chose qu'on aurait pu dire à ce sujet ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.